Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors, c'est pas vraiment un événement, c'est un événement annuel. Et c'est évident que là, demain, on va, pour nous qui faisons toute cette journée aujourd'hui, on va devoir se produire cette fois-ci en compétition, donc interclub. Et évidemment, c'est quelque chose quand même qui va accumuler une certaine fatigue. Mais donc, on y va et on espère bien sûr gagner. Alors bien sûr, il y a d'autres clubs aujourd'hui qui seront présents demain. En tout cas, je te remercie beaucoup, Yannick. Vous pouvez retrouver Yannick si vous avez des questions à poser, que ce soit sur l'intégration au club des herbiers, même si bon, majoritairement les personnes présentes sont déjà dans des clubs et pas aux herbiers. Mais il y a aussi des gens de club des herbiers. Donc je vous invite à vous rapprocher du stand qui est ici. Et puis là, je vais accueillir notre autre partenaire de la journée, qui est Nicolas Mettet, le président du club Multibox de La Roche-sur-Yon. Merci, Yannick. Alors, vous ne l'avez peut-être pas encore vu si vous n'êtes pas déplacé sur l'initiation boxe à ma gauche, mais je vous présente Nicolas qui va présenter un petit peu le club. Qu'est-ce que fait le club? Parce que je parle depuis tout à l'heure de multibox. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on s'intéresse à la boxe, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de joueurs d'échecs, pas forcément des pratiquants à la boxe. Donc, si on peut faire aussi une petite passerelle avec le chessboxing. Oui, bien sûr. Voilà, super. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas. Alors tout d'abord bonjour, donc Nicolas Mettet, je suis le président du club de La Roche-sur-Yon, donc section des boxes fédérales lyonnaises qu'on a créé en 2012 avec Wilfried Waro qui est à côté en train d'initier au Chessboxing et qui a son livre au stand de dédicace. Donc ce club à l'origine était un club de Savate Boxe Française. Pendant que l'on était en train d'ouvrir la section de Savate Boxe Française, Wilfried a fini son prévôt de boxe anglaise. Et donc en 2014, on a ouvert une section de boxe anglaise. Puis en 2015, on a ouvert une section de boxe thaïlandaise. Et donc c'est pour ça que de Savate Boxe Française lyonnaise, on est devenu les sections des boxes fédérales lyonnaises. Et donc depuis 2015, on est ouvert à toute pratique pugilistique. Et c'est dans ce cadre-là que... Un petit peu avant le Covid, en 2018, Wilfried est venu avec le projet fou d'aller faire le championnat du monde de chessboxing en Inde. Et donc le club, étant ouvert à toute pratique pugilistique, ben, on l'a accompagné vers ce championnat du monde où il a fini vice-champion du monde. Il s'est fait battre aux échecs par un Russe sur un mauvais choix tactique. Et donc depuis... on l'a accompagné sur ces différents événements, que ce soit des IFC à Berlin, à Bordeaux, d'autres championnats du monde. Et donc, naturellement, quand Claire a sollicité Wilfried pour l'organisation de cet événement, bah, Wilfried est revenu vers nous pour savoir si on pouvait l'accompagner, comme il n'y avait pas de club de boxe anglaise sur les herbiers. Et c'est pour ça que le club de La Roche-sur-Yon est présent aujourd'hui et que l'on a essayé d'aider... sur les différentes parties organisationnelles de la partie boxe anglaise. Et donc c'est pour ça que ce soir, je serai donc l'arbitre de la rencontre. Merci Nicolas. Je donne une précision parce qu'on parle beaucoup de boxe anglaise depuis tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le chessboxing, on vous en dira plus au démarrage des combats, c'est que le chessboxing allie donc les échecs, je sais plus parler. Les échecs à la boxe, mais à la boxe anglaise particulièrement. Donc c'est aussi pour ça qu'il est bien de faire la différenciation. D'ailleurs, quand on parle de boxe tout court, on parle toujours de boxe anglaise, puisque comme c'est la plus ancienne des boxes codifiées, elle a gagné naturellement le droit de s'appeler boxe, puisque le CIO aujourd'hui ne souhaite plus qu'une nationalité soit associée à un sport. Et donc la boxe française est redevenue la savate. Et la boxe anglaise s'appelle la boxe tout court. Hein. La fédération, c'est la Fédération française de boxe. La capacité de concentration, de visualisation, d'occupation sur l'échiquier. Et c'est pour ça que c'est pas forcément le meilleur aux échecs qui gagne au chessboxing. D'ailleurs, Wilfried a été champion du monde en Turquie en gagnant aux échecs. Alors que sa partie, c'est quand même plutôt la boxe, en tant qu'ancien boxeur professionnel de boxe anglaise. Alors, on vous spoil un petit peu le sujet de tout à l'heure, mais c'est bien, parce que ça introduit... Ah ben non, mais on en reparlera tout à l'heure. Dans tous les cas, on vous laisse un petit temps encore d'initiation. Je dois vérifier avec les grands maîtres à quel moment ils sont prêts pour lancer le duel. Je vous rappelle qu'ils vont s'affronter dans des blitz originaux. Ça va être très intense, court mais très intense. Et à la suite de ça, on reviendra vous présenter vraiment la discipline avec des témoignages de combattants, notamment Wilfried, que tu as cité, mais aussi d'autres personnes qui ont participé au championnat du monde de cette année, et Antoine, qui est le président du seul club de chessboxing de la région, qui est à Nantes. Donc on parlera un petit peu de la discipline. Ça sera aussi l'occasion, si vous avez des questions, d'échanger un petit peu. Et puis, quand tout le monde sera ready, on lancera le combat de démonstration de chessboxing.